Monsieur Dame, Tangle Cookie. Mbote na bayinyo so bozai kolanda Edam Television officiel tozana esengo mingi ya kokuta na bino mokolo molelo lisusu to beta mosolo ya ekolo Congo o ezali pona biso priorité pona ko banda information ezali que bande ko na biso ya est oyo baza na kati ya Goma basila ki bongo ko kende na frontière ya Gisenyi kola ki sa mécontentement na bango na mboka ya Paul Kagame na bongo to moni elome mobali moko ya mapinga ya ekolo Congo asila ki bongo kota tina ngambo ya Kizeni ye abeti bongo masasi pe na kobeta masasi na ye bayi pulusu donc ba policier ya frontière ya Rwanda na ngambo ya Gisenyi misato basila ki bongo koya pe na suka nango ye moko bayaki kobeta ye masasi pe akwei. Mais kasi ya motu ya ko retenu rezali réplique ya armée congolaise sur le lieu parce que la police rwandaise balinga ki bongo ko continuer ba nungu na bango ba ya ba sanctionner ba congolais sur le champ de frontière mais résistance ya armée congolaise ba kebisa ki bongo na bayi pulusu ya Rwanda ke soki bomeki la eloko obozali ko banga to ko boya yango nde ko koma to kokota na kati to tombeli bongo longonya na bayi mapinga ya ekolo Congo o bazali ko rassurer ba peuple congolais que baza vraiment en sécurité. Na bongo ala ngamba Kinshasa tozali ko déplorer comportement ya ba kinois ebele bien sûr. Ah ouais, tu as un problème d'infiltration, bien sûr, tu as un problème d'infiltration, mais tu confonds un citoyen rwandais et un militaire rwandais. Alors, militaire rwandais, tu as recevoir un ordre pour que tu aies un gouvernement. Parce que si un citoyen rwandais est soutenir le gouvernement rwandais, il y a de ces Rwandais qui sont contre Rwanda. Dernièrement, on a eu le Congo, tu as eu une opposition, tu as eu une soutenir le Congo, tu as eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas de confusion. Exactement comme on dit Rwandais de son nom, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème entre les deux peuples. Donc, moi encore entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Le problème, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, quand on parle de la République démocratique du Congo et le Rwanda, on parle de pouvoir. C'est le pouvoir de Kigali, des années qu'on s'est mis terreur en République démocratique du Congo en soutenant le M23. Et c'est le peuple rwandais. Non. C'est le peuple rwandais qui, pour preuve, bande quoi Rwanda, vous savez comment on attend, vous savez comment ça dans ma vidéo, vous savez qu'on est là. Bato bazali ko créer problème ezaba ndeko na biso ya banya Rwanda o bazala na Congo nde bazali ko sala politique ya victimisation bango nde senga ko poser bango motuna me ko beta bango te pe bazali biso le côté ko boma bango te me to retourne bango motuna de manière diplomatique et là esengi na ministère ya intérieur ya ekolo Congo a solo la na communauté banya Rwanda banya mulenge o bazala ka awa ba rwandophone wana bazanda na Congo aye ba bango na ko tuna bango et le koni nezali ko sala ke bino bo se sentir victime. Alors qu'il y a un problème entre le groupe rebelle au bazar na Congo, na mapinga yeko le Congo. Le Congo zali ko bundisa ba rebelle au bundisa kaye. Le Congo n'a rien à voir na binopo et si ayamba bino. Voilà. Et le koto kolo banabiso ezali bon alors comportement et salamaki le lot. Les animaux moteurs comme on a battu un grand marché qu'au Bundisa immeuble morobo pour la soi disant il y a un Rwandais à l'intérieur et ça malam moteur botique à Bango va vivre puisque ah na Congo tous en a bas Nigérian tous en a bas Libanais tous en a bas Malien tous en a bas Babylone Babiko le Bélé en a Congo ah wa bah y'a comme ça la commerce donc toi réfléchir comment toi qui comme ça politique économique n'est biso accessible n'est biso bas na mboka. Au lieu ya ko comme ko tiki la kaka bango biso mo de to luka ki babiko lona ba envahir Kinshasa na biso ba envahir notre marché parce que biso moko to tiaka bato ba ko ko tiaka biso la politique malamu te bata politique o favorisa ba expatrié et biso ba imboka to se retrouva nul et sans partant sans parti plutôt sans parti d'intérêt nos intérêts et comment qui vraiment en péril, comment qui vraiment étouffé parce que politique à malam ou aurait qu'on favorisait Bissot et Zala quitté. Maman, les Cambodges, Bissot, Yalelo et Zali, les conflits fonciers. Bandeko, Babolingo. Les Congo a un problème sérieux. Quand je dis sérieux, sérieux. Tozo et Bateto, Kokendewa, Pina et Kolo Congo.
qu'est-ce que nous devenons? Il y a une escroquerie et botami na sima ya ba conflit foncier. Escroquerie wana est tellement esika et battre plein et ça légion en fait. Donc ça que batte ko quantifier en gros le lengue nini. Mutu moko lala la muki o mabele o ezanga. Musu so lala la muki ateke déjà mabele ma pandeli sous côté ka yango. Et ce qui est mal est que la justice congolaise est kangi misu. Ce qui est plus grave est que il y a certains animateurs na kati ya justice congolaise bazali de mèche na batro bazali ko sala ba nungu nungu na makambo mabele. Eza o sala passe. Et il y a pas solution ça qu'il y a des gens ont créé ba agence na sima ya kopa mabele. Likambo mabele to lobela ngondenge nini bandeko babolingo to bandela ngo wapi poto suka na yango wapi qui doit faire quoi pour na ko épargner biso na danger oyo oyo ekoti si plutôt parler na katya mboka Congo. L'évolution technologique, le start-up, les commerces en ligne. Non, t'es comme ma pangou, n'azote comme ma pangou, morcellement, au juste. Ben, monsieur, si bien on peut bosser comme somba, ma bilo, kwango, bosser comme vérifier, t'es osa comme somba, wapi. Et la complicité des agents cadastrales. Ministère de la Justice, avant la côte en Amozindo, je vais vous interpeller, chère madame. Que faites-vous dans votre chef de travail? Vous vous rendez compte que vous allez exposer les Congomani na ba groupe ya ba escroc moko boye o bazali ko bomba manasima ya ba fonction publique na bango pour na ko ruiner plutôt pour na ko escroquer pour na ko déranger pour na ko malmener. Ba paisible citoyen, yo zali wana ministère ya justice. Ozomona yango, ozomona lolenge oyo, appareil judiciaire na yo za kotambola malamu te, surtout na domaine foncier. Mozo lobelo kote, pe oza ko pense te. Imagine mouta sombi le pangounaye. Ce qui est plus grave est que dans le domaine foncier, il y a toujours des hommes forts. Les hommes forts, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des ministres, des sénateurs, des députés, des master gouverneurs. Ils ont des pakala, des députés. Et le chef coutumier, bango wana lissou sous le nœud, il y a des problèmes. Il y a des héritiers dans bango. Madame la ministre, est-ce que vous avez remarqué que le secteur est un Congolais mitou? La justice congolaise ne fait pas bien son travail. Oui, bah exception Ezali, oui, bah avancée Ezali, mais la proportionnalité nini. La pondération nini, madame, Ezali, l'appareil judiciaire. Parce que jusque là dans la quasi-totalité, il y a effectivité en Moussala et appareil judiciaire. Tout ça qu'on est là, Marie-Lou, au moins il y a un problème, on n'a pas la justice, mais il y a un problème dans ma colonne. Mes excuses. Marie-Lou, tu as la somme de l'opin ou dans la mort, mais il y a un problème dans la moto songolo pakala. Marie-Lou, tu as condamné par défaut. Comment tu as condamné Moutoumoro Boué par défaut? Alors que Moutouango. Alors que Moutouango a yaka déjà na phase d'instruction, puis mon conseil naye, boyebi que Aza quand même représenté, quoique la personne ne soit pas présente à Kinshasa, mais la personne ne soit pas présente plutôt à Kinshasa. Mais vous voyez que la personne est représentée par ses avocats Oyo yé asayelaka procuration. Mais bizarrement, Boza quand même
qu'on condamne Mutu par défaut. Et vous, vous condamnez la personne par défaut, vous ne voulez pas la signifier. Et le jour où yo parti naïe, et plutôt conseil naïe et yé, pour qu'on solliciter fixation, il y a affaire, on va leur surprendre en disant non, il y a eu déjà prononcé, le jugement est là. Mais comment vous pouvez faire ça? Quelle est cette justice au temps pour la Kalolenge Wana? Et ça, c'est le cas Congo. Voilà. De maintenant, il y a conflit foncier. On définit les conflits fonciers comme tous les conflits qui sont liés à des parcelles de terre, son sol et son sous-sol, et qui impliquent au moins deux parties ayant des revendications opposées sur ces parcelles. Voilà. Mingi bandaka, ndengeni ni ba conflit foncier yango. Madame Bebira Marilou Bokola Azali, agent courtier, agent ya courtage. Alors, je reçois une offre ya vente ya M. Stéphane Balamwangi. M. Stéphane Balamwangi a la concession na yé. Azan la concession na yé, le col a un héritier foncier. Papa n'a pas été chef coutumier, le col a été un sampou. Yé a hérité ma belle wana. Alors, na tour na yé a komi kote ka. A hérité a monté que komi yé non. Na ba koutim na école au Congo, le chef coutumier a kota kazamba te. Moi na na enda kota kazamba. To le ki na yé, to ndeko na yé, moko bo enda kota kazamba. Oh, ya ko désigné. Alors, M. Mupenda a désigné mon ami Stéphane Balamwangi comme héritier yende akota kazamba pour ate karamabele alandela karamabele. Stéphane Balamwangi a zote karamabele a sollicité un agent courtier. Ngai agent courtier n'a komi ko lancer ba offre. Bou, j'en sais que bala a ye ko somba mabele et pa na nga. Nga na bise non non. Je suis allé à la maison de Stéphane Balamwangi. Je suis allé qui la maison Stéphane. Stéphane a été allé à la maison de Mabele. Et ça dit que j'en sais qui a été Mabele à la maison de a rempli ma formalité na la maison de Mabele. Lobby lobby, j'ai même agent courtier. J'ai eu un client Moussousou, Gims Lokoum par exemple. J'ai eu un Gims Lokoum. Na même chef coutumier. Chef coutumier a tekeli Gims Lokoum. Mais ça que Stéphane Balamwangi azalaki kaka na agent courtier mon côté. Azalaki pe na agent courtier Moussousou. Jael Ngoï par exemple. Alors Jael Ngoï ye akerozuela Stéphane Balamwangi un autre client. Et que le client ya Jael Ngoï aza mbongo ebele. Stéphane Balamwangi a tiré 5 hectares, nous sommes ça teki. Mais les clients, il y a Jael Ngoï, a la posa a 20 hectares à offrir et belé. Stéphane, le col azanaye, le corso ya mbongo, andimi kozona ma belé, il y a Gims Lokoum, on a ma belé, il y a j'en sais qui bala, a pesi client, il y a Jael Ngoï. Et qui? Lobby, lobby. Gims ya aluko atonga mabele, sinon non mabele eza yote, eza ya monsieur Gaël par exemple. Mais comment monsieur Gaël a ri ko somba mabele na nga? Mabele on eza ya ngai. Nyo so ana nini? Lo koso ya mwana ya chef coutumier. Nde esali que conflit e botomba batu ba koma ko wele la mabele. Wana premier cas. Deuxième cas ya conflit foncier. Un autre exemple. Et c'est que Ngaï Naza Mwasi Yamokondi, Songolo Paka. Naïe na sepele na mabele na lobi bon. Ngaï na rozora mabele o Stéphane. Stéphane na lobi non papa et maman. Mabele o ese tekama eze ngate. Nga na tika likaka na mabele o yo 2 hectares. Et tali ngate nga mabele wana eza yanga. Stéphane a boy alors le quoi na ebi ke na zakana mo mutu na mo bo na kadastre nga le quoi na za mo kondi na pesi ordre
et pas Eric Tshiswa quand c'est lui papa. C'est là nga mikanda cadastral ya mabele oh désormais c'est yanga. Yayo. Oui yanga. Eric Tshiswa par la mafia azupe mbongo na conservateur ba salicop ba ji mabele ba pesinga Marilou. Entre-temps, le chef coutumier a dit clairement que ma belle wana est à battu ya gens qui bala yo oroki kozwa yango te. Mais parce que on a vu que nazan influence na ngai. Je suis du pouvoir. Je suis la dame aux hommes forts. Na lobi non non. Moi je veux ici, je veux construire ici. Parce que je le veux, alors je juste de tout mon pouvoir pour en avoir. N'a utilisé ma influence nangaï batou nangaï consort parce que moi j'ai une légende d'avocat, parce que moi j'ai des contacts, parce que moi mon mari est député, mon mari est sénateur, mon mari est ministre, alors je m'impose. Et j'utilise maintenant le conservateur de titres immobiliers et le cadastre, donc les agents cadastrales, n'a utilisé bango basa la mikanda en faveur Nanga, alors que le chef coutumier était clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons en justice. J'en sais qui bat là, lui, va venir, va se pointer avec sa preuve d'acte de vente. Voilà, mon contrat de vente est là. Cet espace m'appartient. Cet espace m'appartient. Mais Nana Lobby, non, non. Et ça y a là. D'ailleurs, on a sombé qui n'a pas moto songolo. Alors que c'est clair que moto on a la sombé là qui a existé raté parce que Stéphane Balamonge a ça ayant droit coutumier, a ça qu'on reconnaître en réalité comme cliente. Mais moi j'insiste que ma belle wana ezali yanga na sombé qui n'a pas un sujet sénégalais. Non, la pensée qui sujet sénégalais wana le pan X a ébanité. Je réclame 7 hectares alors que Jean-Cy Kibala a un contrat de vente à 2 temps à son bas 3 hectares naïe, et puis avec Obaxa 1 hectare naïe. Jean-Cy Kibala a 4 hectares naïe. Oh, à son bas et pas Stéphane Balamwang. Et c'est connu que ma belle est à Jean-Cy Kibala. Mais naïe le quoi a une influence dans le pouvoir. Na sali makambu na ndenge nanga. Na mutu nanga o azala ki wana na conservation de titres immobiliers, j'ai mes papiers selon moi. Disons que ngende nazali la patronne. Alors qu'en réalité, je ne possède de rien et tous les papiers que j'ai sont de faux. Je n'ai rien de vrai. Et là, la justice va fermer les yeux. Pourquoi? Parce que moi j'ai une influence politique. Parce que moi, je suis l'épouse de X et Y. Parce que moi, je suis l'ami au gouverneur de la ville. Et tout le monde a peur de se prononcer dans le dossier. Parce que ce qui a se prononcé, il a créé des problèmes. Et tout ce que j'ai à faire, c'est demander à mes avocats de créer des dilatoires. Et au finish, et comme il copie, il y a un avocat. Il y a deux parties. Puisque la corruption est qui parate. On a un avocat de la partie citante. On a un avocat de la partie citée. Non. L'immoralité est tellement ma casse de foi. Au comment on a moutou. On a raison. A perdre raison, on a eu l'avocat na yemoko. Tout ça parce que son adversaire a une influence politique. Son adversaire est une femme ou bien un homme aux hommes forts, ou bien lui-même c'est un homme fort, ou bien elle-même c'est une femme puissante. Alors, influence, elle est tellement ma casse sur le plan politique et sur le plan financier qu'à réussir à convaincre un avocat à l'autre partie. Et un avocat à l'autre partie peut procéder parce que Atalia, client n'a pas client n'a pas un bon mingité, n'a pas un qui a payé 10 000 dollars, et puis un azan a roté, a payé 500 dollars, bon horaire n'a pas coûté à respecter, ma vacation n'a pas respecté, alors, oh, que toi a offert 5 000 dollars, moi, bon, la faca pour la fin de dossier, là, ça a mis. Ah, mais entre 500 dollars et 5 000 dollars, 10 000 dollars, le choix est clair. De toute manière, bon, on a semblé ma belle qui paye 10 000 dollars, t'es, hein. Pourquoi ne pas céder? A ne pas dans bon côté. A 10 000 dollars, a tient la poche. Il trahit même son client.
Et le tribunal à son tour rendra confine un dossier. Confine un dossier. Et là, en complicité avec le ministère public, en complicité avec le conservateur des titres immobiliers, oh, à chaque audience, donc à chaque fois que le tribunal siège en matière civile, le conservateur de titres immobiliers doit également se présenter alors avec ses avocats. Et sur le coin de la poule, il y a conservateur de titres immobiliers. Oh, il y a pas ça dans la mafia. Papa, le pangu na yo e kei. Bossa na kosomba ka yango. Pour azo qui peut perdre na yé. Allez, moi 1000 na yé, moi 2000 na yé, aliaki. Alors, le cola y a yébi qui est passé dans la mafia, à sa cop, au léli. Sa mélanzambe, au koutana, na moutou, au hasard honnête. Là, au ko se retrouver, au kobete l'anzambe, ma boko, au bouka, ma bolongo, la c'est Dieu merci. Mais ce au koutani na conservateur de titres immobiliers, au ata la intérêt na, et papa 10% dans les a, et zali, ba détruire maman numéro cadastral, et sili. Et sili, je dis, et sili. Et aujourd'hui, je suis venu dénoncer une circonscription foncière à Kinshasa. Et ça m'a mal au coup. Et je demande à ce que le tribunal de grande instance et ça la moussala n'a pas comme il se doit. Ah, qui me colle. Et c'est vraiment Moussa Nango comme il se doit. Parce que on conçoit mal que l'affaire elle s'est retrouvée et pas na bino na second degré. Mais bon, on a en mesure de trouver compromis alors que vous avez toutes les preuves sur votre table que voilà, il y a tel dossier, tel dossier, tel dossier, où ils allaient flou. Na kati y a affaire X. Nos frères de la diaspora sont victimes. Les lots, il y a escroquerie foncière. Nos frères de la diaspora sont aujourd'hui victimes. Il y a mauvaise foi, il y a appareil judiciaire par certains de ces animateurs. Moutou a yé na bonne foi na yé. A investir na mboka na yé. Mais bon, ça côté les babatons dans le roux. Idée et zani. Et qui le fait? C'est un homme fort. Il y a pouvoir passer. Le partenaire, l'actionnaire, le collaborateur. Il y a monsieur André Kimbuta Yango. Il est actionnaire. Il y a entreprise Oboebi Nécropole. Ntech. Le cimetière Nécropole Oboebi. Ce monsieur est un homme fort. Nous sommes surpris à comment on a le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons encore des hommes forts. Un certain monsieur Moulumba. Ce monsieur Mukuna, voilà, monsieur Mukuna. Il existe encore des hommes forts sous le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette affaire date de depuis 2016. Nous avons encore des hommes forts. Un monsieur qui se réveille un bon matin, Mabele a battu, à l'obino Ezaïe. Alors que la chef coutumière a zoloba clairement, non Ezaïe, monsieur Jean-Pierre, il y a l'obité Ezaïe. Mabele, on a combien d'hectares? Il y a 7 hectares. Chef coutumière, l'obité, on n'a qu'à 4 hectares, non, monsieur Jean-Pierre, on n'a qu'à 7 hectares. T'es à 7 hectares. 7 hectares, on a où tu vois. Et le tribunal voit tout ça. Nous vous faisons confiance. Les Congolais font confiance à leur appareil judiciaire. Et nous supposons que nous aurons un bon résultat. Et que quand vous allez dire le droit sera dit comme il se doit. Nous aimerions applaudir que voilà ce tribunal, cette composition a dit le bon droit. Et que la mafia est qu'elle nous peut nous pandi. Et que escroquerie est une nous peut ainsi KTP et ça puni et que Moïbi et ça peut sanctionner. Nous aimerions voir le sanction.
Vous savez, la population congolaise a confiance à son appareil judiciaire. Mais à Banga Kayango, si on a une manœuvre de la imaginez que vous avez fixé l'affaire et qui problème. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a été fixé, il y a eu plaidoirie. Mais pourquoi pas aller jusqu'au bout de cette histoire et dire en bon droit carrément, dossier OPSI là, puisque il y a eu trop de condamnations par défaut. Vous êtes maintenant au niveau de l'opposition, mais dites quand même le bon droit. Et ça m'a l'amouté que Baïmbo Kababa se plaignera tout le jour, va déplorer à quelqu'un que non, voilà notre appareil judiciaire. La justice, il y a école au Congo, c'est la Kamabe. Bon, ça que décourager diaspora Nabino, bon, ça que décourager le peuple Nabino, va pèser Nabino, lui sous confiance. Moutou, il y a un problème à Roki, mais pas à l'État. Mais ce que l'État est moi, ça qu'on expose, le quoi, moi, na oyo, ba Betty et Libanda, à qui m'imbang, pas maman, maman, t'as la moutouana, zola, nanga, zo betanga. Mais au moment où mon obéingani et sous Libanda, t'es kende kuna. Non, mais on expose moi, nana yo, on protège été. C'est monsieur Mokuna, a ça qu'on malmené, batou parce que. Ayebi keye aza master ya kimbuta yango aujourd'hui le sénateur hier gouverneur. Et cette affaire a commencé pendant qu'il était encore Kimbuta, André Kimbuta était encore gouverneur de la ville province de Kinshasa. D'ailleurs ce monsieur, quand Kimbuta était encore gouverneur, ye mutabandai kobima comme le propriétaire du cimetière nécropole. Bon yebi ba nécropole non. Et patron de la nécropole. Et aujourd'hui, l'homme fort de la République démocratique du Congo, Bamabele Nyonso, Zalakana Malouka, Zalakana Tseleza, Aye. A son bac, il n'y a pas un sujet sénégalais, Morobo. Entre temps, sujet sénégalais, Oana. A Seda qui propriété, Naye, na Beninois, Morobo. Donc, une affaire tellement louche, d'un espace qui n'existe pas, na Kinshasa, tu as la commune Yamatoto. Et Zalara, tu es commune Yamatoto, Zalara. Donc dans la commune y a ma tété, na commune à Malouk. Mais imaginez que c'est monsieur Mukuna dit que nous avons une commune Matoto. Ça existe où? Et notre ministère public voit quand même ça. Et notre composition du tribunal a aussi vu ça. Mais tout ce que nous attendons, c'est le bon droit. Ce qui le lobe sali un bon droit, beau dire un bon droit. N'est-ce pas que ce serait un honneur pour la République démocratique du Congo? Nous dirons merci, voilà notre justice a évolué. Il n'existe plus de hommes forts. Parce que là, tout le monde va dire que voilà, la justice est manipulée parce qu'il y a un certain monsieur qui se prend pour un puissant et consort. La politique des hommes forts doit cesser. Il faut recater hémorragie, on a recater un honan. Hémorragie, un homme fort, un homme puissant. Vous voyez bien qui je suis? Moutou a teka qui m'a belé na bango. La dame a lobi clairement que m'a belé wana, et c'est un monsieur Jean-Pierre, et c'est un monsieur Jean-Si Kibala. Tu sais qu'elle m'a belé na yé? Tu sais qu'elle m'a belé na yé? Ozoué n'a pas faux papier. Le conflit foncier aujourd'hui est un frein au développement et à l'école au Congo. Bato bazo somba mabele mais bazo ko investir kunate ko exécuter ba projet na bangote du colo ya ba contentieux. Ba litige foncier et le qui est belé. Bato ba ko potono ba ko wela ka mabele tango iso. So boye bisanga ko ngongo tonga mandenge. Plus grave, imaginez. Boye na matadi ki bala non. Jantilingo bila alingaka tonga marché kuna boye tonga kite pona nini. Oh, espace voilà, et c'est la famille Mobutu. Bah, nous sommes partout. Problème à ma belle, des frères. Problème à ma belle. Partout, il y a problème à ma belle. Ce qui a X, c'est Y. Ce qui a Y, c'est Z. Au juste, qui prend quoi et qui doit faire quoi? La loi nous dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. N'est-ce pas que l'État congolais doit prendre des mesures sereines pour sécuriser la propriété naïve? Toi, tu as dit que 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 parce que apparemment le service cadastral de l'école au Congo est démontré par limite. Ils ont restructuré pour démontrer concrètement tes bilans aussi qu'elles ont zoomé, mais aussi qu'elles ont retiré. Le pango, il y a M. Stéphane,
toi à Jean-Cy, toi à Marie-Lou. Bon, moi, tout le monde a la la mouki, le pang ouézé en a. A la la mouki, ma belle ouézé en a. Siko, ézé en nan, ézé en nan. Ézé en nan. Tout ça, pour ça, y'a ko yeba. Le lenge nini, oyo, esengeli bandeko, ba somba ka ma belle, pe ba salako, le lenge nini, po ba protéja ka, ba concession na bango. Bandeko y'a diaspora. Bosa la vigilant tango bosomba kama belé. Et c'est que basale lio affiche mora kitoko luli yango bala moronga na ko somba mabelé. Non. Parce que là vous vous exposez. Vous vous exposez, vous exposez vos moyens. Vérifiez. Rassurez-vous que si vous allez consomba et qu'on expose yoté et comme ils open à bas niveau et bas contentieux et qu'on dépense un bon rôle et qu'un bon rôle somber la kilo pan. Non. Et dans tout ça, seule la justice donne la garantie. Seule la justice peut offrir de la garantie à son peuple. Seule la justice alors. Ce qui justice est en mesure de sécuriser le peuple congolais, nous sommes en pamba, en passe. Moto a son baki lo konaye. Sécuriser. Sécuriser. Réfléchissez tout le jour comment vous pouvez mettre à l'abri plutôt vos compatriotes, vos sujets. Bah se retrouver tena ba contentieux à ma casse bonna ba trop ba l'équipe on a pouvoir. Vous dites que rien. Rien ne peut s'opposer à la loi et nul ne peut être au-dessus de la loi. La loi le dit. Mais sur le plan pratique, ce n'est pas le cas. Il y a des hommes forts, babimaka, tous les jours. Mabele yanga, imabele yanga. Le chef coutumier de fond, basali kokende au-delà y a bas pouvoir na bango. Bango moko basali c'est maka terreur. Bango moko basali ba auteur y a bas trouble y a bas désordre. Bangomoko bazali ba comment dirais-je ba acteur principal na ba crime foncier. Créer un mécanisme. Ministère de l'Intérieur. Et si on peut revendre sa ba chef coutumier na yo, solo la na bango ni ne sengali ko sala pour na koyeba le lenge nini ya côté ka mabele son ke ba nungu nungu eza. C'est un frein de développement. Et ça qu'on freiner épanouissement ya école au Congo. Et ça qu'on empêcher épanouissement yambo cannabis ou émergence yambo cannabis. Imaginez un conflit sur un espace, une concession de 4 hectares. Bon, il y a une belle industrie. Yamoune ne peut pas ériger en Rwanda et rendre un énorme service à la nation et recréer misala ba opportunité songolo pakala et qu'on foute un impôt na taxe. N'est-ce pas ça un intérêt pour la République démocratique du Congo? Mettons au nion ce au bozali qu'on perdra au bébisabiso et profiter ni dans Mboka Congo. Un conflit sur une concession en espace de plus de 4 hectares. Bosungi Mboka te. Et le contentieux est qu'il ne cause plus de 5 ans. Bosungi Mboka te. Mutu soki atimbongo na esinga kambongo wana etourné ebota attiré ba intérêt sobo ebisabiso plus de 5 ans ya contentieux. Qu'est-ce que l'État a gagné? La République a gagné nini po mutu alinga ki ata ba activité na ye atiété misalo ye sengala ki na ye a créé te bosungi nani. Parce qu'il allait contribuer au développement de la nation. Il allait contribuer à la lutte contre la pauvreté dans son pays. À la lutte contre le chômage. À Sungite. Et qui a gagné? Qui? Et vous êtes face à un récidiviste. L'associé de M. Kimbuta, Yango André, est un récidiviste. Nous avons appris qu'il aurait plusieurs dossiers na kombo na ye batubale la kap mabele na kombo na ye. Pourquoi ne pas mettre un terme à cette affaire immédiatement? Kolongola mutu o na nzela ya ba congolais mutu o azali ko empêcher émergence épanouissement ya école au Congo. Pourquoi pas ko écarter carrément?
Et surtout qu'il a un casier judiciaire aussi problématique. Il a un problème avec son ancien patron, Mobile. Mobile Petroleum. Il a un problème là-bas. Là-bas, d'ailleurs, on l'aurait accusé pour une histoire de détournement. Il aurait détourné là où il travaillait dans son entreprise, Zouana. C'est ce que nous avons appris, qu'il aurait détourné là-bas. Donc, c'est un monsieur à problème. Mais ce genre d'individu, pourquoi pas carrément que l'on a un circuit à Congolais, quand il y a Congolais, na kimia. Kolongolais car on a circuit et ça ni besoin de tenir la boloko le roi a ligné qu'on spolie le roi a ligné qu'on confisque le roi a ligné qu'on escroque le roi a ligné qu'on se retrouve dans faux et usage de faux. Vous l'arrêtez carrément botier hors état de nuire et rosa ni n'est-ce pas que bolongolais car ambou ma belle la ma belle nakata wa malala ya malabu sinon t'es au police anios. Chers Congolais, sortez de la malhonnêteté. Mes excuses. Sortez de l'abus de confiance. Sortez de l'escroquerie. Sortez de la spoliation. Vous spoliez même des biens de l'État. Sortez du stélionat. Vous vendez ce qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas bien. Ça ne vous appartient pas, ne vendez pas. Ce n'est pas à vous, ne vendez pas. Ça ne vous appartient pas, ne construisez pas. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Mabele a yoté côté kate. Mabele aussi ôté kaki, ne revendez pas. Ne cherchez pas à avoir de problèmes avec des gens inutilement. Moutazum bon, on est y a pas si à investir. Yo ko abuser na confiance à pesioté. Ko malmené été côté que lo qu'on a été. Ko sala mikande lo kuta likola mikande ya moninga te eza mabe. Bongote ndeto ko tombola ekolo Congo. To sala makambo na moté mama lamu pote mboka na biso ekende liboso. Merci. Monsieur, dame, Tangwe Koki.